C'est une journée qu'on organise annuellement et nous sommes particulièrement satisfaits. Satisfaits de l'affluence, mais également du conférencier qui a pu nous faire un très bon thème qui parle sur l'islam et le développement personnel, une culture de l'entrepreneuriat. Je crois que tous ceux qui ont suivi les vidéos et qui étaient en direct à la conférence conviendront avec moi que ça a été bien traité et que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Mais j'attirerai mon attention particulière et mon remerciement spécialisé à nos partenaires de l'ISER qui nous ont accompagnés dans ce noble travail. Je commencerai d'abord par remercier Expert Agro qui nous ont soutenus, Coréa l'Impression, les livres scolaires Mishka Tulislam. Il y a également la société Marna qui nous a pourvu en nous. Inch'Allah, grâce à elle, on a plus soif maintenant. Et également, nous remercions le groupe bilingue IBAD. Donc, c'était juste vous dire que tout le monde est invité à ce nouveau travail et que ce travail concerne tout un musulman. Je crois que la dawa, chacun est capable de la faire de sa manière et de la façon. En tant que milieu universitaire, le travail que nous faisons, c'est répandre un peu la dawa dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire également. C'est d'ailleurs même ce qui fait l'objet de cette organisation qu'on a mis en place, qu'on appelle AIMUD, Association des élèves étudiants musulmans de Dakar. Donc j'invite tout un chacun, tous les partenaires publics comme privés, à nous rejoindre dans ce nouveau travail et également à soutenir la dawa, Inch'Allah. Puisse Allah vous bénir et puisse Allah étendre sa baraka sur tout un chacun qui se bat pour que l'islam ait le dessus, Inch'Allah. Salam alaikum. Borom bi ne wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Neena jamono bu nek na am ci yeen ño xamne dañuy wote ci lu bax bax nak buñ ko waxe moy l'islam bu wer di degle lu bax di téré safan ba mune ñoñu ñoy ñi taxé bu ëllëgé kon jotul l'islam. Suñu borom tabaraka taala ci loosu julit ñepp la ko gal. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Salam alaikum. Ça va, chérie? Ah, t'es jeune porte ouverte à Emile Donnier, on a présenté journal étudiant musulman avec agenda. Journal étudiant, il y a un thème intéressant comme l'islam face au terrorisme, l'irrégularité du candidat universitaire, la constipation, l'habillement indécent des jeunes filles, Jahiliya, ses manifestations contemporaines, la dégradation des mœurs. Thème intéressant, moi. L'œuvre, un livre qui contient tous les hadiths qui sont authentiques, enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa vie, quels sont les livres qu'il a publié. Donc ce qui est là, les œuvres, ouais, ces œuvres sont là. Sahih al-Bukhari, ces autres ouvrages sont là. Donc les anges et leur mission. Donc vous savez que parmi les points sur lesquels on doit avoir une conviction, c'est l'existence des anges. Donc un musulman doit connaître quoi un ange, les anges. Et leur mission. Essayez de vous poser une question. Oui. Par exemple, avant l'islam, on disait qu'il y avait le jahiliyalisme. Oui. Maintenant, y a-t-il une rupture entre l'islam et le jahiliyalisme? C'est-à-dire par rapport à la culture? Oui, si on parle de jahiliya, c'est-à-dire l'époque d'ignorance. Ignorance. Oui. Maintenant, donc l'islam est venu avec une science. Vous comprenez? Si. Donc il y a une rupture entre ce qu'on appelle la science et l'ignorance. Vous comprenez? Oui. Donc c'est ça la différence. Quand on parle de jahiliya, on parle de ce qui concerne là. L'ignorance. Mais la religion s'est focalisée sur comment la religion ou le côté culturel? Jahiliya, c'est-à-dire c'est... Eux, ils croient en plusieurs dieux. Oui, ça faisait partie. En tout cas, ça peut être dans le cadre de l'ignorance. Vous savez, il y a des choses, l'islam les enseigne, c'est des comportements. Oui. Vous voyez? Donc, il y avait certains comportements, par exemple, qui étaient interdits. Par exemple, eux, à leur temps, ils enterraient, par exemple, les filles vivantes. Vous voyez, il voyait à une fille une mauvaise augure qui n'est pas bon. Pour eux, celui qui a une fille, bon, il est voué à la perte. Donc, vous voyez, ou bien les gens agressaient les gens. Donc, lorsque l'islam est venu, il a établi. Parce que vous savez que la mission du prophète, c'est d'établir
la vérité, enseigner les gens la vérité. Mmh. Donc ces gens d'appliquer, ces gens d'actes n'arrangeaient pas la société. Et aussi, il y a aussi l'adoration. Vous voyez. Donc il adorait plus de divinité. Comment une personne peut confectionner des statues si, vraiment, et les adorer. Vous voyez. Alors qu'au temps, c'est le prophète Ibrahim qui a eu à construire la Kaaba. Maintenant, autant il y avait une seule adoration. Maintenant, au fur et à mesure que les générations venaient, donc l'ignorance s'est installée et les gens ont commencé à se procurer de ces statues pour adorer. Donc lorsque le professeur est venu, il a montré que, comment se fait qu'une personne qui est conçue seule, c'est toi qui construis cela, ou bien oui. Comment est-ce que tu peux t'adresser, demander des besoins. Un exemple, un prophète, il avait un compagnon, autant qu'est-ce qu'il faisait, il avait confectionné une date quoi, sous forme d'adoration. Certains, parce qu'il est parti en voie. Il racontait ça lorsqu'il s'est converti. Omar, il s'est converti. Oui. Il faisait quoi, il a dit que lorsqu'il partait en voyage, il est fatigué, il avait faim, il a commencé à couper. Donc ça, vous voyez. Donc le professeur, il est venu pour les enseigner cela. Donc ce sont c'est la différence quoi, entre l'union.